Dans Stream, afin de permettre aux élèves d'accéder rapidement à du contenu, il est possible de chapitrer les vidéos, c'est-à-dire de mettre des marqueurs dans la ligne du temps afin de permettre à l'élève d'accéder rapidement à son contenu. Vis-à-vis la vidéo, sur le petit crayon ici, mettre à jour les détails de la vidéo. Vous allez pouvoir venir dans la description, inscrire un code temporel en heures, minutes et secondes, séparés par deux points. Par exemple, à 13 secondes, je mets un marqueur de temps. Je peux en mettre plusieurs en changeant de ligne à chaque fois. On n'oublie pas d'appliquer les changements. Lorsque la vidéo démarre, on peut voir dans son détail qu'à 13 secondes, j'ai créé une chaîne et à 45 secondes, partagé la chaîne. Si je clique sur le premier marqueur, ma vidéo se déplace automatiquement à 13 secondes et sur mon deuxième marqueur, la vidéo débute à 45 secondes.